Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Alléluia. Amen. Le second sous-thème que nous allons certainement aborder toujours, ce serait très court par rapport à ce qui a été dit, c'est comment vivre par l'esprit. Comment devons vivre par l'esprit? La première question qu'on doit se poser, c'est qui est-ce que nous adorons? Tout le monde va dire, nous adorons Dieu. C'est ça, non? Nous adorons Dieu. Dieu que nous adorons, est-ce que nous le voyons? Nous le voyons. Donc Dieu est comment? Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Et comme Dieu est esprit, ceux aussi qui doivent l'adorer doivent le connaître par sa nature d'esprit et l'adorer par son langage d'esprit. C'est pourquoi le parent et aussi ils avaient cette connaissance. Le parent qui ne connaissent pas encore Dieu, les païens, ils savent que Dieu est esprit. Maintenant, pour Alain, vous avez une compréhension des petits enfants. Alléluia. Sachant que Dieu est esprit, il veut communiquer avec Dieu. Il veut recevoir les choses de Dieu. Il veut recevoir la protection de Dieu. Il veut recevoir les dévotions de Dieu dans la vie. Donc ils doivent créer un pot de contact. Ils doivent établir un lien. Ils doivent créer un chemin pour accéder à Dieu. C'est pour aller voir les saints, pour bâtir des souterrains. Quand vous s'incliner devant les arbres, certains vont faire des rituels dans les eaux, dans les forêts, pour chercher le chemin. Alléluia. Et nous connaissons le qui est le chemin. C'est Jésus-Christ de Dieu. Vous avez vu? Chacun cherche le chemin. Il le cherche à sa façon. D'autres disent non, le chemin c'est Allah. Alléluia. Le chemin c'est Bouddha. Le chemin c'est la philosophie. Le chemin c'est ceci, c'est cela. Et finalement ils se rendent compte que ils se sont perdus. Parce que lorsqu'ils prennent le chemin pose des exigences. Nous sommes bénis. Elle a vu Jésus. Nawe.
Jésus est où? Elle va me donner l'adresse de Jésus. Après, maintenant, on ira voir Jésus. Donc, allez, prends le micro. Mon aîné René. Elle a dit qu'elle a vu Jésus. Elle, c'est moi là. Elle a vu Jésus. Maraleuse, on t'en a dit Jésus. Amen. Elle a vu Jésus en révélation. Elle a vu Jésus en révélation. C'est en révélation. C'est ça, mon plaisir. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu peux le voir encore? Besoin national. Si tu fermes les yeux, tu peux encore le voir. On a sur vous une guerre, c'est besoin national. On continue encore. Qui a vu Jésus? Maman, est-ce que vous avez vu Jésus? Maman, on a Jésus. Vous avez vu Jésus? Vous connaissez Jésus? Vous le connaissez? Vous l'avez vu? Amen. Le micro, s'il vous plaît. Amen. Pourquoi? Il est esprit. Mais qui vous a invité ici? Qui vous a parlé que vous venez ici? Qui? C'est qui? Lui, le frère de derrière, c'est qui? Alors, est-ce que vous avez été convaincu? Il faut que je vienne. Il faut que je donne tout ce que j'ai comme proposition aujourd'hui. Et maintenant, ma soirée ici, c'est un boulot. Ariel. Il y a une confession dans le cœur. C'est comme quelqu'un qui a parlé dans le cœur. Alléluia. Il a reçu une confession dans le cœur. Gloire à Jésus. Amen. Quel est le mot? Sauf que tu vas voir qu'effectivement quelqu'un nous a parlé. Quelqu'un nous a parlé. Après que nous-mêmes on est annoncé que nous venez là. Alors nous allons aller. Quel bonheur. C'est vrai. Il a parlé à votre cœur. Il a libéré, il a disposé votre cœur. Et cette personne, on l'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Ah, est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. On l'appelle le Saint-Esprit. Vous voyez, comparativement, lorsque Jésus était sur terre, Jésus ne pouvait pas être partout à la fois. Jésus était comment limité par le corps qu'il avait. Il était limité par le corps. Et ses actions aussi étaient limitées. Il ne pouvait pas guérir tous les malades au même moment. C'est pas le mot d'aller de lui en lui, de lui en lui, de lui en lui. Il disait à ses disciples, vous recevrez une puissance, mais Saint-Esprit suivra sur vous. Et c'est là, vous serez quoi? Donc, vous serez représentant. Et c'est comme ça, par le Saint-Esprit, toi et moi. Parfois, lorsque vous prenez deux chrétiens, deux disciples de Jésus, lorsqu'on les observe, on voit qu'ils ont deux modes de vie totalement différents. On voit que l'un là, l'un est plus gentil, l'autre est moins gentil. On voit que l'autre là, l'un pardonne vite, et l'un ne pardonne pas. Alléluia. Mais pourtant les deux sont les disciples de Jésus. Comment peut-on expliquer les deux qui ont reçu le même esprit ont des mots de vie différents? Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Père de sous-terre est intitulé comment vivre par l'esprit. Comment se fait-il que l'autre est toujours malade, toujours attaqué, pour les barouer, alors que l'autre vit paisiblement? Comment chaque fois c'est toujours les esprits de famille qui
Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas quoi? Les œuvres de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Je vais répéter pour que quelqu'un commence à me dire. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Lorsque nous venons à Christ, on met parenthèse sur le verset. Lorsque nous venons à Christ, lorsque nous parlons de Jésus, quelque chose se passe dans notre cœur. Toujours, il y a quelque chose qui rentre dans notre cœur qui ne commence pas à nous juger. Pour qui commence à nous dire, la vie que nous menons est mauvaise. Qui commence à nous dire, c'est dangereux ce que je fais. Ou ce que je fais. Et cette même voix commence pas à nous dire, non, tu dois changer de vie. Tu dois changer de vie. Tu dois changer de vie. Mais au même moment, pendant que cette voix nous dit, tu dois changer de vie, il y a une voix qui dit, non, c'est pas le moment. Alléluia. Parce qu'on est habitué à une façon de vivre. Ouais, parce que, et quand Christ vient, Christ crée là, une sorte de trouble. Le Saint-Esprit de la parole vient pour créer un trouble, pour créer une sorte de division dans le cœur. Et finalement, on est confronté à deux sortes de voix. On est confronté à deux sortes de voix, à chaque fois. Il y a une voix qui nous dit, non, la question. Il y a autre voix qui lui dit, fais-le. La non. Sans conséquence. Là. Et finalement, on est en lutte avec cette deux voix. Ouais, ben, et finalement, cette deux voix constitue une loi qui nous conduit. Voilà que Jésus nous dit dans sa parole que l'on ne peut pas, lui ne peut servir deux maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas obéir aux deux lois à la fois. Alléluia. Soit nous nous soumettons à une loi et nous désobéissons à l'autre loi. Alléluia. Amen. Et voici ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains. Il dit ceci. Puisque nous sommes en Christ, nous ne devons plus nous lier à la chair. Vous nous avez pour Christ, vous avez nous ne sommes plus redevables à la chair. Quand je parle de deux lois, je vais parler de la loi de la chair. Je vais parler de la loi de l'esprit. Qu'est-ce que j'appelle la loi de la chair? Qu'est-ce que j'appelle la loi de l'esprit? Avant que
tous ceux qui sont là puissent comprendre le message. Parce que tant que vous ne compreniez pas toutes ces choses, même la vie de sanctification soit un problème, et le Saint-Esprit ne peut pas vous utiliser, et le Saint-Esprit ne peut pas vous équiper, ne peut pas vous remplir, et vous soyez des mauvais témoins de Jésus. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9, lisez-le ça rapidement. Romains 8, le verset 9. Comment vivre par l'esprit, ça le soutient. Oui. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit. Non, il ne Jésus-Christ de Calaza. Il ne lui appartient pas. Alléluia, si quelqu'un n'a pas quoi? Il est le Christ de Calaza. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que si tu es chrétien, si tu es blessé de Jésus, et que tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas connu de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Parce que ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont fils de Dieu, c'est eux qui marchent selon l'Esprit. C'est lui qui marche selon l'Esprit. Avant, on disait ceci. Au verset 7, toujours, là tu étais là. Toujours verset 5. Tu vas appeler en vous simplement, c'est tout. Verset 5, je lis la parole au nom de Jésus. Ah. Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'attention aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'attention aux choses de la chair. Alléluia. Amen. On dit, ceux en effet qui vivent selon la chair, ça fait seul au chaud de la chair. Parce que ceux qui vivent selon l'esprit, ça fait seul au chaud de la chair. Ceux qui vivent selon la chair, ça fait seul. Ceux qui vivent selon la chair vont aimer. Ils vont pratiquer les œuvres de la chair. Ceux qui vivent par l'esprit vont pratiquer les œuvres de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit toujours dans le Romains 5. Romains 5, le verset 5, il dit que Dieu a répandu en nous dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Pendant que tu reçois Jésus dans ton cœur, Dieu a répandu encore dans ton cœur l'amour de Jésus. Et c'est pas que Éphésiens 2, 10 va nous dire que pendant que nous recevons la parole, la parole est esprit la parole est esprit. Donc quand je reçois la parole, je reçois l'esprit et la vie de Jésus. Je reçois l'esprit et la vie de Jésus dans mon cœur. C'est là maintenant que cette parole va commencer par me mettre maintenant à vivre selon Jésus. À vivre selon Christ. Tout ce que je fais vient de mon cœur. Alléluia. Tout ce que je fais vient dans mon cœur. C'est de l'abandon du cœur que la bouche a parlé. Alléluia. Même la méchanceté là vient de mon cœur. La vengeance vient de mon cœur. Aider mon frère vient dans mon cœur. Ne pas faire du mal à l'autre vient dans mon cœur. Et dans ce cœur, Jésus a déposé quoi? Son amour. Pour que nous pratiquions ces bonnes œuvres. La Bible dit que nous ne devons plus rien à la chair. Nous ne devons plus faire la chair. Je ne dois plus rien à la méchanceté. Je ne dois plus rien aux calomnies. Je ne dois plus rien à ce sujet. C'est fini. C'est fini. Donc quand le mal viendra, tu manges. Allah toujours te voit. Toi et moi, il n'y a rien tout le monde. C'est ce que la Bible nous dit. Mais quels sont les œuvres de la chair? Il est important de comprendre parce que pour une
bonne vie de sanctification, une bonne vie chrétienne affranchie, pour une bonne vie de crédit, une bonne vie de victoire en Christ. Alléluia. Tu dois vivre par l'Esprit. Lorsqu'on va quitter ici, si vous ne faites pas l'Esprit, vous ne faites pas du mal à la chair. Or, celui qui vit par la chair, lui dit quoi? Oui, que cela pourront. Quand on continue à le dire, on va que plus tard, on a dit que ceux qui vivent par la chair, le verset 13 dit ceci, dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, vous allez tomber malade. Si vous vivez par la chair, vous serez toujours poursuivi par le diable. Si vous marchez par la chair, les esprits de famille auront toujours raison sur vous. Mais, si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair. Si par le Saint-Esprit, vous faites mourir la colère qui est en vous. Si par le Saint-Esprit, vous faites mourir la méchanceté qui est en vous. Si par le Saint-Esprit, vous faites mourir l'idolâtrie qui est en vous. Par le Saint-Esprit, vous faites mourir les assauts. Alors vous vivrez. Alors vous vivrez. Et vous serez une vie chrétienne. Une vie victorieuse. Un bon témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Partout où vous allez, on sent Christ là. On voit Jésus en vous. Vous transmettez cette joie de Jésus. Quels sont les œuvres de la chair? Les œuvres de Galates 5, 19. Galates 5, 19, rapidement. Comment vivre par l'esprit? Galates 5, 19. Allons vite, allons vite, allons vite. Suivez bien. Suivez bien. Chacun doit se retrouver dans ça. Alléluia. Si tu te retrouves dans une seule chose ici, c'est que tu ne vis pas la chair. Si un seul élément que vous avez dit, et ne pas vivre, ne courons pas la chair. Et si tu ne vis pas la chair, tu mourras. C'est la meilleure. C'est pourquoi pas aujourd'hui lorsque vous entendez ces choses, vous allez vous déconnecter des yeux de la chair et laissez Jésus vous transformer et laissez le Christ, le Saint-Esprit vous façonner. Les yeux de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités. L'impudicité. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle l'impudicité ici? Je ne vais pas commenter chacun des éléments. Qu'est-ce qu'on appelle l'impudicité? C'est quoi l'impudicité? Regardez là, on a dit, oh, les œufs de la chair sont fausses et manifestes. Les œufs de la chair sont manifestes. Faut que tu traduis ça. Les œufs de la chair sont manifestes. Ton nom d'adresse où? Ça se voit. Non. Ça se sent. Amen. Non. On ne peut pas les cacher. Amen. Merci. Si quelqu'un est malheureux, quelqu'un est en colère, on sent ça, non? Si quelqu'un a haine, on sent ça, non? Oui, on ne pas sûr. Alléluia! Amen. Et quand ça se voit, quelle est cette image de ton nom? Quel est le témoin que nous entendons? Parce que nous sommes les miroirs de Christ. Et le monde doit se mirer pour voir leur identité. Quand les hommes viennent à l'église, quand ils nous regardent, ils doivent arrêter que ça ne va pas. Leur vie est encore contraire à notre vie. Ils doivent prendre à nous. Oui, l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité. Tu as dit ça dans votre langue. On peut dire ça aussi en langue cabine, c'est ça? Oui. Oui. Haïtu. Haïtu. C'est moi chinois. Alléluia. C'est la prostitution. La prostitution. D'accord, je dis c'est la prostitution. C'est pas tout. L'impudicité. La prostitution. Bien sûr, ça va être l'impudicité. Quoi encore? Quoi encore? L'impudicité. Alléluia. L'impudicité. Après la paix, on ne s'est pas cité à impuissé en haut.
prier. Impudicité. Quoi encore? La soeur dit prostitution. Aberro. Oui. Oui, de le sexe en dehors du mariage. Bon, c'est pas grave. Je viens à vous. Oui. Le sexe en dehors du mariage. Non, non, attendez. Oui. Vas-y rapidement. On peut pas se dire que c'est bon. On y va vite. L'impudicité, c'est le sexe en dehors du mariage. Quelqu'un a compris sur quelque chose, non? Non, mais c'est ça en dehors. Donc tu n'es pas marié, tu vas au sexe. Impudicité, eux de la chair. Alléluia. Elle dit que aucun impudique ne rétera le roi de mort. Ça veut dire que si tu vis dans l'impudicité, tu ne peux pas marcher par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas t'habiter. Alléluia. Amen. Quoi encore, oui. Le manque de chasteté. Le manque de chasteté. Modestie. Alors ça ne se retrouve pas seulement dans le domaine du sexe, dans beaucoup d'autres domaines. Mmh, exemple. Impudicité. Œuvre de la chair. Œuvre de la chair. Attitude. Ton mode haute. Même dans l'habillement. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce quand on va au-delà de ce qu'il faut, alléluia, on pose. Là, je vais rentrer plein de détails. Le frère dit prostitution. Tout le monde connaît ça. Champion. Alléluia. Quelqu'un dit, c'est ça. En dehors du mariage. Vous n'êtes pas marié, vous allez au cesse. Ça, c'est publicité. Le frère dit non. Que ça va au domaine de ce que les gens disent. Même ton habillement. Il y a tout le monde toujours. Même. Vous voulez traduire l'impudicité. Habillement indécent. C'est ce que le Seigneur nous fait dire. Oui, il t'a l'air et vous jouez beaucoup plus, nos soeurs. Oui. Et nous, moi, je reconnais. Une soeur. Oui. Et nous, vous pouvez attirer toi. Oui, allez-y, vas-y. On peut faire aussi allusion aux désirs sexuels. On veut pas, on peut faire allusion à quoi? Au désir sexuel. Au désir. Sexuel. Donc lorsque tu as le désir de penser sexuel, et qu'on revient aussi dans l'impudicité, tes désirs sont petits. Alléluia. Vous avez vu? Eh ouais, non. Lorsque tes pensées commencent par nous, les pensées viennent d'où? Ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Quel est l'esprit qui te donne des pensées? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Donc si tu es là et que tu te retrouves dans ça, ça vient du marché sur la chair. Et tu ne peux pas plaire à Dieu. Ta vie sera toujours au poids des démons. Tu seras toujours persécuté par les poids de roi. Ta vie va toujours marcher d'échec en échec. Tu seras toujours par le bon pour. Alléluia. Amen. Faut laisser les choses tranquilles. C'est le temps de l'amour. Alléluia. L'impudicité comme œuvre de la chair. On continue. Oui. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité. L'impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Idolâtrie. Allez. Continue. La magie. L'inimitié. La haine. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. La méchanceté. Les disputes. Les divisions. Les sectes. Les sectes. L'envie. On dit envie, c'est eux de la chair. Pendant ce mot-là. Envie. Hey. Envie de la chaise, c'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. Envie, lorsque j'envie. L'envie, c'est comme convoitise. C'est dans les 10 commandements de Dieu.
Dieu ne convoitera pas ceci. Tu ne connais pas le bien de autrui, la faute de autrui, tout ce qui est dans sa maison, parce que c'est voulu. Est-ce que tu peux mettre la main sur le cœur pour dire que toi, tu n'es pas venu? Est-ce que quelqu'un peut dire, mon roi, moi, je ne suis pas de toi. Je suis saint. Maman, tu es Alléluia. Œuvre de la chair. Continue. L'ivrognerie. Noto. Les excès de dard. Et vas-y. Et les choses semblables. Et où de la petit d'avance. Oui. Comme je l'ai dit j'ai dit ça. Que ceux qui commettent de telles choses. Baba la de la bas. N'hériteront point le roi. Parce que ce n'est n'hériteront point le roi de Dieu. Ils n'auront pas par l'héritage. Hériter le roi de Dieu. C'est recevoir l'héritage de Dieu. C'est rien avec Dieu. On a bien compris, c'est ça, non? C'est pas ça. Je veux quelqu'un qui va bien interpréter ça. Pour bien interpréter. Viens. Tu vas lire ça, d'accord? Alléluia. L'héritage de Dieu. C'est le Saint-Esprit. L'héritage de Dieu. C'est la vie éternelle. L'héritage de Dieu. C'est notre salut. L'héritage de Dieu. C'est la victoire à la croix de Golgotha. Alléluia. Est-ce qu'il y a quand même le Seigneur Jésus? Ça veut dire que si tu marches selon ces choses qu'on a citées, s'il y a la jalousie en toi, si tu pratiques la magie, la magie ici dans la Bible, c'est quoi la sorcellerie? Si tu es dedans et que tu es dans la sorcellerie, alléluia, tu es dans la sorcellerie, et puis que tu n'hériteras pas le roi de Dieu, et tu mourras plus tard. Ça veut dire que si on va pour chaque élément maintenant là, nous on va mourir. Bah vous dites que si tu pêches comme un seul, c'est que tu as pêché comme quoi? Comme tous. Mais en sortant de quelque chose, bien vous ne battez pas d'un coup. Si tu jalouses quelqu'un ici, ne t'y abattez pas. C'est que tu as déchu de l'héritage. L'héritage dont je veux passer, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Et si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, si tu ne reçois pas la puissance, alors tu seras comme un chat. Tu seras chat. Tu vas combattre avec ta propre force. Tu vas combattre avec ta propre sagesse. Avec ta propre force. Oh, Jésus a dit quoi? Vous ne pouvez rien sans moi. Vous pouvez combattre le diable. Vous pouvez combattre le diable. Le diable existe avant l'homme. Même au ciel. Le diable a combattu Dieu. Et a pu prendre un tiers des anges. Le diable n'est pas ton petit frère. Alléluia. Si le diable a pu réussir à convaincre le Dieu des anges, et c'est pas n'importe quel ange, ne peut pas dire. Bien-aimé, tu es cuit. C'est-à-dire, après le combat, tu es mort. Tu es mort. C'est quoi, Jésus? Vous ne pouvez pas combattre sans moi. Vous n'aurez pas la victoire sans moi. Et vous avez un peu de temps. C'est ça que
c'est impossible. La maladie qui traîne depuis là. Pourquoi tu n'es pas guéri? C'est la souffrance que tu as depuis. Les échecs répétés que tu as. Tu ne peux pas. C'est Jésus qui a la force. David dit qu'il est le maître de tous les esprits. Alléluia. Amen. Sans Jésus, tu es mort. Sans Jésus, tu es mort. Même Jésus-Christ, on ne sait pas. Sans Jésus, tu es mort. Même Jésus-Christ, on ne sait pas. Sans le Saint-Esprit, tu es mort. Même Jésus-Christ, on ne sait pas. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Ton nom va venir à Cara ici. Sans que toi tu ne reçois pas ton papa le Saint-Esprit. Amen. Parce que lorsque nous allons recevoir la puissance, lorsque nous allons recevoir le Saint-Esprit, alors nous serons comme Christ. Alors nous allons opérer la dimension de Jésus. Alors nous pouvons résister de la santé. Alors nous pouvons guérir les malades. Alors nous pouvons faire la réponse. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est capital. Que tu sois bébé, que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois fille, garçon, homme, femme, vieux, vieille, bébé, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller aussi. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui a pas. Il est nécessaire de d'avoir l'esprit de Christ. Pour de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit n'est pas compliqué. C'est de renoncer aux yeux de la chair. C'est de renoncer à la jalousie. Renoncer à la calomnie. Renoncer à l'inimitié. À l'animosité, la méchanceté. Regardez l'autre avec mépris. Ne pas supporter ça. Ce sont frères et sœurs de la chair. Ce matin, tu as prié, tu disais, pardonne-moi. Est-ce que tu as tu attends que Dieu te pardonne. Mais toi, tu es capable de pardonner ton frère. Tu vas dire à Dieu, je t'aime, Dieu, vraiment. Tu aimes celui que tu ne vois pas, celui que tu vois, tu ne l'aimes pas. Chers frères et sœurs, votre problème, que vous avez, c'est de renoncer aux yeux de la chair. C'est de parler des yeux de la chair. C'est de vivre vraiment l'amour de Christ. Vous ne vous laissez transformer par l'esprit. De vivre par l'esprit. Et vous aurez une vie affranchie. Et vous aurez une vie heureuse. Parce que si vous laissez le Saint-Esprit en vous, la vie de sanctification ne posait pas de problème. Vous pensez que c'est vous qui vous sanctifiez? Vous n'avez pas dit enlever les pieds de sanctification? C'est pas ça. C'est comme tu vas à l'hôpital. Tu es tellement malade, tu vas à l'hôpital. Et le docteur te dit, le médecin te dit, enlève la vie là. Avant de le dire, moi je vais faire mon analyse. C'est ça ce que tu fais, ce que tu enlèves là. La guérison vient du docteur, vient du médecin. C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous sanctifie. Qui nous sanctifie. Qui nous donne la vie de sanctification. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est important. De se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Voilà Jésus. Amen. Qui veut recevoir le Saint-Esprit? Qui veut recevoir le Saint-Esprit? Qui veut dire non à la jalousie? Tout le monde. Je vais te demander quel nom spécial. Personne ici. Mon pauvre, c'est un jour de si quelqu'un
a une petite jalousie dans son cœur. Alléluia. Amen. Pour recevoir le Saint-Esprit, mm-hmm. tout ce que nous avons cité là, Parce que Jésus est là. On dit le lion de la tribu de Juda. C'est de vous communiquer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit?